Dans les années 90, sa blondeur côtoyait celle des Claudia Schiffer, Karen Mulder ou encore Eva Herzigova sur les plus grands podiums de haute couture. Pendant plus d'une décennie, Estelle Lefébure a été l'un des top models les plus prisés de la planète. Une notoriété qui a même valu à la jeune femme d'apparaître dans l'un des clips de George Michael. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle fait la connaissance d'un autre chanteur, connu aussi pour être le fils de l'une des plus grandes stars françaises de l'époque. Estelle tombe amoureuse de David Hallyday, fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Malgré une union qui se termine en divorce, le couple aura deux filles, Emma et Ilona. Cette dernière, à l'instar de son illustre maman, a épousé la carrière de mannequin et pose régulièrement pour des campagnes de publicité. Récemment, elle s'est même essayée au métier de photographe en prenant comme modèle sa mère. Jeudi 22 juillet 2021, Estelle Lefébure a publié une photo de ses vacances sur son compte Instagram. Photographiée par sa fille, l'ancienne mannequin se prélasse sur un transat et profite des rayons du soleil. Cheveux détachés et petites taches de rousseur apparentes, on remarque tout de suite que celle qui a également partagé la vie d'Arthur ne porte là aucun maquillage. Un cliché tout au naturel qui tranche avec la tendance actuelle de retoucher les instantanés à l'aide de multiples filtres. Un choix qui a surtout fait l'unanimité parmi ses abonnés. Tellement agréable de voir enfin une femme au naturel, bravo, ne changez rien, très belle et naturelle que ça fait du bien. Merci Estelle, votre beauté et votre charme sont éternels, comment ne pas vous aimer à chaque instant de la vie. Toujours aussi ravissante et sublime jeune maman, vous ne changez pas, bravo, félicitations, peut-on lire parmi les commentaires. Un cliché encensé par une autre reine de beauté. En effet, Monica Bellucci a elle aussi salué la publication d'Estelle Lefébure. https://www.instagram.com/p/crl-isalm4/.